Monsieur le sonorisateur, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin d'un peu de réverbération sur ma voix pour que je puisse chanter ma chanson. Ah, c'est pas très bon. Ah, Dieu, donne-moi ma voix à nouveau, car maintenant les notes sont de plus en plus courtes. Non, je ne souffre pas. Je souffre de l'art, parce que je n'ai pas fait l'amour depuis fort longtemps. Et je pense que peut-être ça serait la solution à tous mes problèmes. Mais bon, allons savoir. Je ne sais pas, peut-être que là, solution serait de me toucher les... Oh, il y a des enfants dans la salle, j'avais oublié. Ah, il faut faire de la musique, car il y a des enfants dans la salle. Alors on ne peut pas parler de ce qu'on veut. La ménopause, c'est quelque chose qui vous oppose à vous-même, mais pas que. Il fait chaud dans cette salle, ou alors c'est moi qui ai une réaction. C'est trop facile de jouer du piano. Parce que la voix, ça ne fonctionne pas comme ça. La voix, ça fonctionne avec le cœur. Et ça fonctionne aussi avec une autre partie que ma maman m'a interdit de nommer ici. Une partie très stable avec laquelle on peut s'asseoir sur les rails lorsqu'on veut se donner la mort parce qu'on ne peut plus chanter. Oui. Oui, je dois avouer que ça m'est passé par la tête. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien le son de la basse. Comment? Ça donne un rythme. Ça donne le rythme pour bouger son petit popotin avec les hippopotames. Ah, mais ça, c'est pour les enfants. Les petits hippopotames marchent dans la jungle. Ils voient au loin un lac. Ils se disent « Let's go ». Back to the lake, back to the lack of time to swim with the hippopotamus. Oh, oh yeah, the hippopotamus. Oh, oh, oh yeah, the hippopotamus. Oh, oh, come.
hippopo. Allez, de... Vous êtes fous, les gars. Alors, de... I say, yeah, the hippopotamus, the hippopotamus, the hippopotamus. Allez, on continue là, allez. The... Oh, yeah, the hippopotamus. Ba 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 ba. Alors, j'approchais. Mais j'ai très peur des... Alors vraiment, j'ai commencé à crier sur les... Et là, il y avait Jean-Michel qui était là. Et lui, il a très très peur des... Il a commencé à courir. J'ai dit, hey, hey, Jean-Michel! Oh, yeah! Hippopotame! Hippopotame! The hippopotamus! The hippopotamus! Quand on est un hippopotame, on peut se rouler dans la boue. Et personne ne vous regarde avec des grands yeux comme ça. Personne ne se dit, tiens, mais pourquoi elle se roule dans la boue, là? Elle est folle. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle se roule dans la boue? Roule. Roule. Parce que vous comprenez, il faut que je choisisse des mots qui marchent avec ma condition. Comme, par exemple... Hippopotamus. Hippopotamus. Plus fort. Hippopotamus. Ah yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh, j'en ai un. J'en ai un très très grand. Et je l'aime terriblement. Allez, à vous. Allez, plus fort, parce que là, vraiment... Oh, encore. Allez, et c'est parti. On y va, hippopotamus. Elle est dedans. À hippopotamus. Allez, dédédo. Hippopotamus. Ok, dédédé. Allez, dédédé. Hippopotamus, and don't forget, hippopotamus, never forget, hippopotamus, merci.
Yeah.